bien. Donc à partir sur une séance de sport, donc on va faire un travail au niveau bas du corps, au niveau du centre, on va faire fessiers également. Et je vais vous mettre de l'équilibre. D'accord? On va commencer par bas du corps. Ok? Je vous mettrai peut-être un petit peu de haut du corps. Pas grand chose, mais je vous en mettrai peut-être un petit peu. Bon, bref. Assez discuté, on est parti. Mains sur les hanches, écartez-moi un peu les pieds. On prend droite-gauche, droite et gauche, droite et gauche. Allez, encore 8, 7, 6, après talons fessiers, 5, 4, 3, 2, 1, talons fessiers, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc on se grandit, hein, le dos toujours bien droit, le regard vers l'avant. On serre toujours bien les abdos, on respire hein, en expirant sur les talons fessiers, 8. 7, 6, on restera qu'à droite, 5, 4, 3, 2, 1, et là on reste qu'à droite, droite, et droite, et droite. Poids du corps sur la jambe gauche, soyez bien fléchis au niveau du genou gauche. Hein. On peut avoir les bras en action, on peut avoir les mains sur les hanches, vous voyez. 4, 3, 2, 1, on change. Respirez de manière fluide. Toujours les abdos serrés. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, on va venir ici. Juste fléchir un petit peu. Amenez les fessiers vers l'arrière. Donc, poids du corps sur vos talons. D'accord. Toujours le dos droit. Ça peut être main sur les hanches. Ça peut être les bras joints devant. Si on est à l'aise, on descend un peu plus. On va juste aller tout petit. 4, 3, 2, 1. Hop, hop, hop. Ça réchauffe un peu vos cuisses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse. Détendez un peu les jambes. On va repointer à droite et à gauche. Mains sur les hanches. 4, 3, 2, 1, à droite, à gauche. Allez, 8, 7, après on monte genou. 6, 5, 4, 3, 2, 1, genou, à droite, à gauche. Allez, le dos bien droit et fier, tous les genoux opposés, on souffle en montant le genou. Ensuite, on ne fera que le genou droit, on ne fera qu'une jambe. On restera en appui sur la gauche, on penche un peu le buste. Hein. Allez, 4, 3, 2, 1, que le droit. Ha, ha. Donc, n'hésitez pas à avancer le coude gauche vers le genou droit. Donc, comme je vous disais, le buste est légèrement penché, genou vers poitrine, on repose que la pointe de pied au sol. Essayez de rester fléchi toujours à gauche et de ne pas, voyez, remonter comme ceci. Allez, quand je vous le dis, on change. 4, 3, 2, 1, change. Ha. Allez, soufflez vraiment le genou vers poitrine. Si on est à l'aise, on fléchit un peu plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, comme tout à l'heure, on espace ses pieds et hanches et on descend un petit peu. Donc là, on est statique, les genoux bien fléchis, les orteils un petit peu ouverts, les genoux dans leur direction. Quand je vous dis des petits. Allez, 4, 3, 2,
attention, vous aurez uniquement besoin d'un tapis ou d'une serviette. Vous voyez, j'ai déjà mis ma serviette au sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on va faire des squats avec un peu de cardio puisque vous allez devoir me faire squat, montez genou droit, squat, montez genou gauche. J'espère que vous êtes prêts. 4, 3, 2, 1, on y va. Et genou. On descend squat et on monte genou. Évidemment, j'inspire, je descends. J'expire, je monte. Allez moins bas. Amenez moins les fessiers vers le sol si c'est dur. Plus vous descendrez, hein, plus ce sera physique. Serrez-moi bien les abdos. Regardez toujours droit devant. Encore. Ha. Ha. Si vous pouvez, c'est de suivre mon rythme. Au pire, si vous décalez un petit peu, il n'y a pas de souci. Vous faites à votre rythme. Hein. Allez, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Allez, dernier, on reste en bas. Respirez de manière fluide, ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Quand je dis 3 petits, et on remonte sur le quatrième, 3 et 1. Allez, tenez encore un peu. 4, 3, 2, 1, 3 petits. 1, 2, 3, et on se repousse. Attention ici à ne pas tendre les jambes complètement quand vous vous repoussez. On garde toujours les genoux un peu souples. Hein. Encore 4 fois. 4. 3. 2. 1. On se repousse que les petits, 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 petits. On respire toujours de manière fluide sur les petits rebonds. Quand je vous le dis, on bloque. Ok, on bouge plus. Et on ne s'arrête pas. Vous n'allez pas m'aimer là. Allez, tenez encore. 8. 7. 6. 5. 4. Plus bas. 3. Allez, on descend un peu. 2. 1. Et on relâche. Ok. Alors, que je vous explique un petit peu ici. Vous allez... Alors, je vais me mettre par rapport à la serviette. Donc, si vous avez votre tapis, mettez-le au niveau du sol. Je vous explique. Donc, on est en avant, en arrière de la serviette plutôt, ou du tapis. On va venir enrouler ici la colonne, on va avancer ses mains, on va poser les genoux au niveau du tapis, d'accord? Et on va faire une pompe. Et on se repousse avec ses genoux, ses mains. Donc genoux au sol, on fait des pompes sur genoux. Hein. Et on doit se redresser. Et on repart. On avance sur les genoux, les mains plus larges que les épaules. Alors, je fléchis mes coudes, je me repousse avec mes mains et mes genoux. Je remonte tout d'un bloc, d'accord? Avec moi sur celui-là. Ha. Essayez de fixer vos omoplates, hein, la nuque est longue. Ne faites pas tomber votre menton, ne le rapprochez pas de la poitrine. Encore. Donc vous pouvez être sur mon rythme. Si c'est pas possible, c'est pas grave, d'accord? Vous le faites en fonction du vôtre. Je sais que vous adorez les pompes. Donc j'inspire quand je fléchis mes coudes, que je descends mon buste vers le sol. Et j'expire quand je me repousse. D'accord? Donc là, ici, je place mes mains. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte.
Attention à ne pas creuser le bas du dos. Hein. On fait encore 3 fois. Allez, encore 2. Avancez les mains, posez les genoux. On se place, on fait la pompe. Et on se repousse. Montez les fessiers vers le haut et non vers l'arrière. Quand vous vous redressez, debout. Allez, ici on reste. Fléchis, on tient un peu. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se repousse. Ok. J'espère que ça a été pour ça. On va refaire un petit, une petite chose du genre, mais ce ne sera pas sur les pompes. Soit ça sur un exercice d'abdos cardio. Donc on revient sur nos squats, mais au lieu de monter le genou comme tout à l'heure, vous allez faire squat et élever sur le côté. D'accord? On fait à droite et après on fait le côté gauche. Allez, 4, 3, 2, 1. On descend et on élève sur le côté. Alors moi j'ouvre les bras. Quand je lève ma jambe latéralement, ça peut être hein, d'avoir les mains sur les hanches. Vous voyez. Ou juste les mains libres, hein, comme ceci devant, hein, au niveau de votre poitrine. Voyez ce qui vous va. Allez, on y va. Encore. Inspirez en descendant et soufflez en remontant. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, le dernier. Ok, on reste en squat statique. Donc les fessiers à la hauteur que vous pouvez. On vient ici chauffer les muscles des cuisses. Allez, le dos droit, attention à bien vous redresser. Genoux toujours un peu sur les extérieurs, ouverts. Hein. Les pieds passés des hanches. Allez, quand je vous le dis, on refera 3 petits. Et le quatrième, le 1 pour remonter. D'accord? Et on y retourne.
Et bien les mains sous les épaules, les coudes déverrouillés. Fléchissez bien les genoux quand vous voulez vous redresser. Hein. Voyez là, je fléchis les genoux. Je place mes mains sous mes épaules, je tends mes jambes. Genoux vers poitrine, une fois de chaque côté, deux fois de chaque côté. Et ensuite, je fléchis mes genoux. Voilà, ça va être mieux comme ça que de me monter les fesses en l'air. Encore. Gauche. Prenez le temps.
1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, petite pause, amenez-moi les fessiers vers l'arrière, vers les talons. Si vous avez une bouteille d'eau, n'hésitez pas à vous hydrater. Hein. On va faire le même principe, mais avec la jambe gauche. Allez, on est parti, on tend la jambe gauche, pied flex, talon vers le haut. Et on va faire nos fameux cercles, tout d'abord dans un sens. Stabilisez bien votre corps, sortez la tête des épaules, le regard vers vos mains. Respirez finement. Toujours ces zones.
Et on va ici expirer en allant pointer vos orteils vers le sol. Et vous devez ramener au même endroit. Toujours garder le même angle. Une fois que j'ai fait une jambe, je peux faire l'autre. Donc les orteils, comme si elles touchaient la température de l'eau. J'inspire en revenant et j'expire en descendant. Voilà. Allez, encore un petit peu. Si jamais à un moment donné, vous lâchez le plancher pelvien, vous lâchez le transverse, c'est pas grave. Si vous perdez la respiration thoracique, c'est pas grave non plus. C'est pas évident au début. Allez, j'inspire. Allez, bon, deux fois. Et on repose. Une jambe l'une après l'autre, tout doucement. On expire en les posant. Voilà. Alors ici, on a toujours cette méthode. Et encore une fois, s'il y a des choses que vous perdez, vous n'allez pas mettre en place, c'est pas grave. Donc, pareil, donc là on a relâché un peu. Donc on va réengager en serrant l'anus et piggy stop. D'accord, on fait ça dans cet ordre, on creuse son ventre. J'inspire, je remonte ma jambe droite. J'expire en la montant, hein. J'inspire et je vais expirer, monter la jambe gauche. Ensuite, je vais venir tendre la jambe droite, hein, la ramener. Attention à ce que les genoux soient bien dessus devant. Si vos genoux sont là, c'est pas pareil. S'ils sont trop loin, ça mettra une tension dans le bas du dos. Il faut vraiment que ce soit genoux au niveau de vos hanches. On imagine qu'on va toucher un interrupteur au mur et on revient. D'accord? Je tends et je ramène. De toute façon, par un nez trop vers vous. J'expire en tendant et j'inspire en revenant. Vous devez sentir sa force dans les abdos, hein. Attention à ne pas sentir dans le bas du dos. Si vous sentez une gêne dans le bas du dos, imprimez les lombaires. Exceptionnellement, ne gardez pas le bassin neutre. D'accord? Encore. Une fois de chaque côté. Ok, on repose. Donc là, vous n'allez pas vous occuper de la méthode Pilates. D'accord? On va faire un mouvement que vous n'avez jamais fait pour l'instant. Vous avez les jambes fléchies ici. Vous allez les tendre vers le haut. Vous allez les tendre un peu vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez une gêne dans le bas du dos. Donc arrêtez-vous légèrement avant de sentir une tension dans les lombaires. D'accord? Donc jambes fléchies ici. Je tends, je descends un peu. Et là, je peux déjà les ramener si je veux. D'accord? Après, il y en a, ils vont peut-être aller jusque-là, peut-être aller plus loin. Après, ça dépend de vous et de comment vous êtes au niveau abdos et au niveau lombaire. Donc, chacun fait en fonction de soi. Bien les engager, hein. Donc, j'expire en allant vers le sol, hein. J'inspire en ramenant. Encore trois fois. Encore deux. Allez, le dernier. Ok, on relâche. Allez, on passe. Le ventre face au sol. Donc pareil, travail de gainage, mais on va être sur la méthode Pilates. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites la planche. C'est juste qu'au lieu d'avoir les avant-bras et les mains jointes, on va être dans la posture du sphinx. Alors, je vais mettre de face pour vous montrer. Il faut que vous mettiez, voyez, les coudes
sous les épaules, les avant-bras et les mains au sol, dans l'axe des épaules. D'accord? Donc, on est ici. On est sur la pointe des pieds. J'ai mes épaules alignées avec mes hanches et mes chevilles. Et je vais ici relâcher mes fessiers et creuser mon ventre. Essayez, si vous pouvez, de respirer par la cage thoracique, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Et vous allez faire 5 cycles respiratoires. Donc une inspiration, une expiration, 5 fois. On va venir ici sur mains et genoux. Donc, travail de gainage ici. Donc, les mains sous les épaules, les coudes déverrouillés. Ici, on a ni le dos trop creusé, ni le dos arrondi. On est entre les deux, la tête sortie des épaules. On va bien stabiliser ces omoplates. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et à l'expiration, bras droit, jambe gauche, s'élève. Et à l'inspiration, on ramène, on fait glisser son pied au sol et on replace au même endroit main et genoux. D'accord? Donc toujours bien les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Hein. Et on est parti. On peut engager plancher pelvien, serrer l'anus. On s'empêche d'uriner, on vient creuser le ventre. Et une fois qu'on a fait une ou deux inspirations, expiration, on fait le mouvement chaîne croisée. Et là, vous pouvez le faire bras gauche. Jambe droite s'élève. Et on ramène en inspirant. Une fois de chaque. Ok, là on s'occupe plus de la méthode. Là, vous allez être sur point de pied, les mains, d'accord? Et vous allez me faire des genoux vers coudes. Donc c'est quand vous voulez. Hein. Le bassin vers le sol. Les coudes légèrement déverrouillés, mains sous les épaules. Nuque longue. Ne rentrez pas trop le menton. Allez, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Ok, pour terminer la séance, avant de la stopper, 2 minutes de gainage classique, sans méthode pilates ni rien. Donc 2 minutes de gainage planche, soit vous faites sur genou, soit sur pointe de pied, on est en statique. Vous êtes prêts? Allez, pardon, 10 secondes. Vous commencez à vous installer. 2 minutes, hein. Et il faut tenir. Allez, 3, 2, 1, et on y va. Donc, attention à ne pas me monter les fesses. Conservez
Ça peut trembler, ça peut chauffer tout le corps. Mais focalisez-vous vraiment sur les abdos. Hein. Aspirez-moi le nombril à la colonne vertébrale. On est à la moitié, on a fait une minute. Si jamais ça devenait dur, hein, plutôt que de vous arrêter, si vous êtes sur la pointe des pieds, finissez sur les genoux. Allez, vous êtes aux 3 quarts, il ne reste plus que 30 secondes. Devant. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche doucement. Essayez de ne pas vous étaler par terre. Mais je suis sûre qu'il y en a qui l'ont fait. Allez, ramenez-moi les fessiers vers les talons, position de l'enfant, le front peut être au niveau du sol. Allez, on va étirer les abdos, vous allez vous mettre allongé, donc le ventre au niveau du sol. Vous allez mettre les mains plus ou moins loin. Plus elles sont loin, plus ça va être moins contraignant pour le bas du dos. Et là, vous voyez, vous redressez un peu les épaules et la tête. Vous devez sentir un étirement au niveau de la sangle abdominale. Relâchez les jambes, les fessiers derrière. Ok, on croche les orteils, placez main au niveau du sol, on se repousse. Et vous allez m'amener les fessiers vers le plafond. Talon décollé, jambes tendues, coude déverrouillé. Ok, fléchissez les genoux, rapprochez vos mains. Et on monte les fessiers vers le haut, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Enroulez les épaules quand vous êtes en haut. Allez, on resserre les omoplates, on ouvre les bras. Allez, vous allez mettre main gauche sur la hanche, jambe gauche croisée vers l'intérieur et bras droit vers le haut, vers l'intérieur également. Ok, on ramène. Ici, jambe droite croise derrière, main droite sur la hanche, bras gauche vers le haut et vers l'intérieur. Regardez soit devant, soit vers le haut. Ok. Petit travail d'équilibre. Et je vous laisserai ensuite. Donc, travail d'équilibre. Alors, je vais juste... Ici, vous allez vous mettre. Donc, jambes serrées. D'accord. Vous allez flécher un peu au niveau des jambes. Vous allez monter vos bras. D'accord. Décoller les talons. Et vous maintenez la posture. Je recule juste un peu. Vous voyez les bras en V, les fessiers vers le sol, genoux fléchis. On est uniquement sur la pointe des pieds, les talons sont décollés. Ok, on va poser le pied droit au sol et on va pencher le buste. Et on va élever la jambe gauche. On essaie d'avoir la jambe gauche alignée avec son buste. Et s'il y en a qui veulent, ce n'est pas une obligation, il faut avoir les mains qui se joignent.
le dos et on peut essayer de se pencher un peu plus. Et on maintient la posture, on appuie sur la jambe. Gauche, droite. Sur la jambe droite. Ok, on relâche. Et on recommence. On a les deux jambes fléchies, enfin serrées plutôt. On les fléchit. On amène ses bras vers le ciel ou le plafond, suivant si vous êtes à l'intérieur. Et vous décollez les talons. Et on maintient la posture. Il y a un peu de renforcement ici. Hein. Il y a de l'équilibre, mais aussi du renforcement. On engage bien sa sangle abdominale. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on va être donc, on appuie sur la jambe gauche, on élève la jambe droite. Ou vous inversez les rôles, hein. Si je dis des bêtises par rapport aux jambes, hein, vous inversez les rôles. Donc ici, soit vous avez les bras qui restent vers l'avant, ou bien vous joignez vos mains dans le bas du dos. Vous pouvez vous pencher un peu plus si vous êtes à l'aise. De monter plus la jambe vers le haut, vers l'arrière. Et on maintient la posture. On tient l'équilibre. Respirez fluidement. Hein. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on va juste étirer les jambes pour finir. Donc n'hésitez pas à mettre la main gauche au mur si vous avez besoin d'un appui solide. Main droite, pied droit, talon proche fessier, j'engage bien mes fessiers. Il y a de l'équilibre aussi ici. Ok, on relâche. Toujours la jambe droite. En avant de la gauche, en talon dans le sol, orteil vers vous. On fléchit bien donc la jambe gauche. Et là, vous allez pencher un peu le buste, pas nécessairement de trop, en conservant bien droit. Et vous allez monter les fessiers vers le haut. Là, vous devez sentir toute la chaîne postérieure hein, de la jambe droite. Ok, on se repousse, on se relâche. Même chose de l'autre côté. Donc si besoin, main droite au mur. Donc main gauche, pied gauche, talon proche, fessier, fessier serré. On est souple sur la jambe d'appui. Et on maintient la posture. On doit ressentir le devant de la cuisse. Gauche, ambiance. Et on relâche. Jambe gauche en avant de la droite, talon dans le sol, orteil vers vous, main sur les hanches dans le bas du dos. Une fois que j'ai penché un peu mon buste, bien ramener les orteils vers moi, je monte mes fessiers vers le haut. Ok,